That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Salut tout le monde! On a une bonne nouvelle. Enfin, bonne, oui, si on peut dire ça comme ça. En fait, là, on est lundi et notre DAX, il est censé arriver demain, en milieu d'après-midi. Non, mais vous vous rendez compte? Nous, il n'y a pas moyen. On va aller chercher maintenant. Du coup, comme on sait qu'il est sur rangé, au dépôt, on va aller chercher. Donc là, on prépare le bus, on est en train de tout enlever. Et on va aller chercher le... On va aller chercher le DAX directement au dépôt. C'est trop bien. Ouais. Youhou. Et puis du coup, comme on est des foufous, on trace directement sur, sur Rennes, voir les copains. Et en fait, on va le monter là-bas. Donc on vous embarque avec nous pendant 2-3 jours, histoire de passer un peu le temps. Et on espère que pendant ces 2-3 jours, on aura une bonne nouvelle au niveau des papiers. Qu'on va nous appeler. Mais non, c'est pas ton anniversaire. Qu'on va nous appeler pour nous dire « C'est bon, les papiers, ils sont arrivés. Vous pouvez venir payer, signer. » Et dans ce cas-là, on retracera directement sur Angers pour récupérer les papiers. Et ensuite, on pourra lancer la procédure pour faire la carte grise. Enfin ! Ah, c'est trop bien ! Allez, en route ! C'est parti, mon kiki ! On va bientôt partir et la poste, elle arrive. Regardez ce qu'on reçoit. Non, mais c'est un truc de dingue ! Un gros carton. Oh la vache ! De Gérard. Si Gérard, tu nous regardes sûrement. Un bandit. Merci. Ouais. Hein, les enfants. Ouais, c'est super. Allez, ouvre, ouvre, ouvre ! Regardez ça ! Bon, j'ai préouvert parce que c'était bien scotché. C'est pour Noël ou c'est des anniversaires? Happy birthday, bah ouais. Non, c'est pour les anniversaires. C'est tous les anniversaires de c'est tous les anniversaires de Julia Lucas. Donc ça, c'est pour tous les enfants. Julia. Waouh, Julia, regarde. Lucas, Julia. Il y a un bandit qui t'a fait un cadeau. Oh, tout ça, c'est pour Julia. Il est gros. Non, il y en a pour Lucas. Oh là 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 là. Il y a un gros pour Lucas aussi. Ça, c'est regarde, pour Lucas. Un gros pour Lucas. Cadeau, là. Bah oui, Lucas, il était attaché, du coup, on allait partir. Regarde. Regarde. Il y a un gros là aussi pour Lucas, regarde. Regardez le gros cadeau là-bas pour Lucas. Bon, obligé, faut partager ça en live, hein. Allez, déchire-moi tout ça. Aide-le un petit peu, ouais. Alors, c'est quoi? Voir, viens faire voir, Julia. Viens faire voir, Julia. C'est quoi? Une montre. Une montre Vaiana. Elle me la laisse pas. Hein. Une montre Vaiana. Moi j'adore les petites déco avec les prénoms et tout, c'est trop beau. Oh, une petite voiture. Excellent, hélicoptère, ouais. Là j'ai trouvé un hélicoptère en plus, c'est qui les hélicoptères? Ça joue bien ça. C'est Noël avant l'heure. Wow, regarde Lucas. On va tout voir le gamin. Regarde le gros cadeau. Wow. Oh, je voulais t'en acheter un. Non, c'est vrai. Ouais. 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 Ça sent du cœur. Hein. Ça, tu peux apprendre avec ton hélicoptère. Et ça, Julia. Et Julia a reçu ça. Et Julia, c'est quoi? Pour faire des bracelets. Je vais apprendre ça parce que dans ma vie, c'est un peu dur. Ah, il y a plein de petites pièces. Ouais. Génial. Plein de petites pièces. Avec Julia, c'est cool. Eh ben merci bien à toi Gérard, franchement ça nous touche, on s'attendait pas à ça. Ben, je sais pas. Je sais pas, il a dû avoir un complice ou un truc ouais. Comme ça. Merci Gérard beaucoup. Mais fallait pas, enfin voilà, quand c'est des cadeaux, on remercie et c'est tout, et voilà. Mais fallait pas, mais quand même, franchement, c'est vraiment gentil. C'est super, super gentil. Merci beaucoup. Ouais. Allez, on se met en route. Plein de joie, plein de bonheur. En route, direction Angers et ensuite direction Rennes. A tout à l'heure. Bye bye.
Là, il nous appelle. En fait, on a associé avec votre colis. Non, c'est bon. Ça se trouve, il est pas là. Moi, je roule à 2 à l'heure, même pas. Ce matin, j'ai appelé. On a appelé ce matin, ils ont dit, voyez là, vous pouvez venir le chercher. On avait tout organisé, mais il y a quelque chose qui veut pas que ça se fasse en ce moment ou quoi? Mais pourquoi? Les gens, ils veulent pas qu'on bouge en fait. Non, il y a un esprit là qui entraîne. Il me dit, oui, c'est quoi comme colis? C'est un scooter. Il me dit, c'est quoi comme colis? C'est un scooter. Oui. Bah, mais comment ça se fait sur votre site? C'est dit que c'est dans votre entrepôt à Angers? Non, c'est pas dit que c'est dans votre entrepôt. Bah si, c'est dit que c'est arrivé. Bah non, c'est sur le arrivé numéro arrivé à Angers. Il y a marqué arrivé à Angers. Ah ouais, mais c'est pas... Nous on va sur Angers, on attend. On va dormir à côté, puis on trace demain matin. Vous pouvez faire une note pour nous appeler dès qu'il est à l'entrepôt. Dis qu'on va se poser à côté. Parce qu'on va, on va dormir... Ouais, et puis comme ça, nous, on va dormir à côté de chez vous. Et dès que vous nous appelez, on viendra le chercher. Parce qu'après, on s'en va. Parce qu'après, nous, on s'en va sur Rennes. Alors du coup, c'est pour ça. Ah bon, c'est pour ça. Ok, bah désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, ouais, ok. Bon, bah je compte sur vous, alors. Ah oui, oui, on vous appelle dès que ça marche, merci. N'importe quelle heure. Vous laissez un message et puis même s'il est 2h du matin, c'est pas grave, vous nous appelez. D'accord. Non, mais même si c'est 7h30, 8h, il n'y a pas de souci, vous nous appelez dès qu'il est là, vous nous appelez. Pas trouvé la copine. 7h, on va y arriver. Ouais, il n'y a pas de souci. Comment vous voulez qu'on ait le moral avec tout ça? Franchement. J'ai l'impression que c'est fait exprès en fait. On rigole, mais c'est nerveux en fait, ça me gonfle un peu. Et ben on va patienter encore jusqu'à demain. Hein? On va sur Angers ou sinon on va ailleurs là où les enfants pourront faire un petit peu de skate et tout là. Et puis... Ouais, bah on va essayer de trouver un endroit. Ouais, bon bah voilà, bon bah à demain. On se revoit demain nous. Allez, ciao. All my ears on the road. Chasing hell, drinking devil's blood. I never caught a fire, ever slow me down. Ah. Salut à tous. Oh là là. On n'a pas très bien dormi, hein. C'est posé là, près d'une route, j'avais pas fait attention en fait. Enfin, je le savais, mais je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Du coup, on a mal dormi, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et on va chercher le Dax. On va chercher le Dax ce matin, c'est bon? Il est arrivé? Charlotte, elle a vu le gars hier de l'entreprise du transporteur. Et elle dit, le gars, il dit, ça va arriver demain matin très tôt. C'est pas grave, vous m'appelez. Même s'il est 2h du matin, sauf qu'elle avait oublié de dire qu'en fait, c'est pas elle qui allait décrocher. C'est Bibi. Donc ce matin, j'entends le téléphone sonner, il devait être 5h30, je crois. Donc, avant de décrocher. Oui, allô? Oui, c'est bon, vous pouvez venir chercher votre colis, il est arrivé. Ok, ça marche, pas de souci, à tout à l'heure. Voilà, puis là, je raccroche, je fais... Oh. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous faites réveiller, puis vous faites genre... C'est bon? Oui, allô? Oui, non, c'est bon, je dormais pas. Non, non, nickel, j'étais bien. Mais en fait, vous étiez bien en train de dormir, quoi. Donc c'est pas grave, on y va. On va aller mettre aussi du gasoil. Hier, panne de gasoil, plus de gasoil dans le Vébasto à air, plus de gasoil dans le Vébasto à eau. On s'est fait avoir comme des bleus en fait, on n'avait pas prévu tout ça. Donc là, on va faire les pleins de gasoil pour les chauffages. Et puis on trace sur Angers pour récupérer le Dax. Et ensuite, direction Rennes. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, on est venu mettre du gasoil et en fait, on a fait tourner le Vébasto avec du pétrole pour essayer. Ça fonctionnait super bien, donc on a payé 1,14€ environ le litre. Et là, je dis à Charlotte, elle était partie faire 2-3 courses. Je dis, du coup, il faut peut-être mieux pas qu'on prenne du pétrole. Donc là, je la rejoins et on va voir. Je pense qu'au lieu de prendre 60 litres de gasoil, on va prendre 60 litres de pétrole, tout simplement.
Ça, franchement, ça a bien fonctionné. J'avais l'impression que ça consommait un peu plus, mais peut-être parce qu'elle fait un peu plus froid. Mais à vérifier, franchement, à vérifier la consommation avec un Webasto gasoil et du pétrole, voir si ça consomme pas plus. J'ai eu cette impression-là. Voilà, allez, à tout à l'heure. On en a trouvé du pétrole, mais il est à 1,30€ en fait. 1,30€, c'est beaucoup trop cher pour du pétrole, vous rendez compte? Donc on va essayer d'en trouver sur la route. Sachant qu'on l'a eu à 1,14€ il n'y a pas longtemps. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça le truc. Voilà, mais du coup, mais j'ai trouvé un petit café, la vanille froid. Je bois pas de café, mais ça, je bois en fait. C'est Stéphane qui m'a fait découvrir ça. Tout à fait, sur ton application Lucas, ça doit pas être très bon. Hein. Si, c'est du café, ça va. Il manque mon copain. Bientôt, on va le voir, bientôt. Ouais. Allez, petite pensée à toi, Steph. Ça rappelle le bon vieux temps. Allez, en route. C'est bon, on est arrivé. J'espère que ça va passer. Sinon, on va le démonter. Enfin, on va l'enlever de la caisse. Et puis, on va rentrer. Regardez, j'ai rangé un petit peu les soutes. J'ai réussi à faire passer deux vélos ici. Bon, là-bas, j'ai mis un petit peu de bazar, mais ça sera un peu mieux rangé. Il n'y a plus la malle qu'il y avait là. Et normalement, on verra si on a la place pour faire passer le petit Dax. Ben, j'en mets partout. Je suis en train de manger des noix de cajou. Ouais, je suis trop content, allez, on y va. Regardez ça, excellent. C'est délire, hein. Délire. C'est bon, ça en bon état. Il n'y aura pas grand chose à monter en fait. Il y a juste la roue avant, le bidon, t'as le bidon. Non, mais il n'y a pas grand chose. Bon, ben voilà, la grande question, c'est est-ce qu'on garde la cage en acier ou est-ce qu'on la démonte en fait. Donc, parce que si on démonte la cage. On va voir, on va réfléchir à ça et puis ça les dérange pas de laisser la cage en acier ici. Alors, vous avez l'air d'avoir de la gueule ? Grave. Oh la gueule ! Regarde. C'est juste dommage que t'as pas le guidon. Hein? Charlotte, on dirait que t'as froid. C'est pour ça que je dépêche moi avant le casque. Tu pourrais mettre des guidons cornes de vache, tu sais, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, mec? T'es peut-être tranquille, j'ai peut-être peinard. Ah si, mais si on relaxe. Ça va où tu veux, poupée. Ça va là-bas avec les pieds. On va essayer de le rentrer en marche arrière. Oh ça passe! Oh ça passe! Oh ça passe crème! À poil de nez! Avec ton chapi là! Là tu sais quoi? Wow. Là on coupe, on ferme la porte, je mets mon casque, faut m'acheter un casque et des petites lunettes. Tiens, ferme la porte. Là on met la musique à fond, machine à fumer, là je démarre, là tu ouvres la porte, et là je saute et tout. Dedans la soute? Ouais! Mais t'es trop petit! Non, lâche l'embrayage! Accélérateur à fond, je lâche l'embrayage première. Boum! Oh là là! Avec un écran de fumée. The Van Oyer, c'est quoi? Imagine. Bah, ça passe nickel. Eh? Cool! On dirait une petite. On dirait un petit chopper, tu sais. Ouais. Allez, en route, on a rien oublié. Notice, tout ça, sans laisse au gars. Il a dit qu'il avait récupéré pour lui. C'est pour faire de la bricole, nickel. Voilà. Allez, je vais lui apporter ça. Allez, vite. Allez, en route. On va tout faire, on a du chemin. Il y a l'enfant. Ouais, j'ai vraiment pas de tête moi. On attend un colis de trucs en bois, vous savez, les jouets. On a repris deux kits pour refaire encore plus de structures et tout en bois. Et moi, mécaniquement, je lui ai donné l'adresse de notre ancienne maison. Enfin, faut vraiment, ça fait 3-4 ans qu'on n'y est plus dans cette maison et j'ai redonné l'adresse de cette maison. Donc les gens qui nous ont acheté la maison, on a un colis pour vous qui fait 9 kilos, qui a été balancé au-dessus de notre portail d'ailleurs. Et s'est gouré, ouais c'est bien pour nous, mais on s'est gouré. Donc du coup ça va, les gens ils sont cool, ils vont déposer ça chez ma mère. Charlotte, elle me dit, toi t'as trop de mal avec les adresses. Ouais, mais c'est mécanique, j'ai toujours eu l'habitude de cette adresse-là, et du coup, à chaque fois, je la laisse, quoi, donc, c'est pas bien grave. Alors, sinon, regardez, on a acheté, 80 litres de pétrole à Brico Dépôt, vous voyez, et 1,05€ le litre. Bon, c'est du bas de gamme, hein, mais nous, ça suffit, on s'en fiche, nous, qui sentent ou qui sentent pas, de toute façon, l'évacuation est dehors.
Donc voilà, donc on a pris 80 litres et bah, ça fonctionne super bien. Hein. Je sais pas si ça risque quelque chose, on nous a dit mettre de l'huile et tout, mais c'est déjà assez gras, hein. Franchement. Je pense que ça a bien fonctionné, on verra, on vous fera des retours aussi. Donc là, 1,045€, ça nous revient le litre si on a bien calculé, voilà. Donc bah, ça va, ça reste valable. Donc on charge tout ça et on se met en route vers un autre magasin pour trouver un adaptateur micro pour ma GoPro. Et après, on mange et on part enfin sur Rennes. Allez, à tout à l'heure. Ça coûte 54€ ce petit machin-là pour pouvoir adapter un micro. Donc j'ai commandé sur internet aussi un adaptateur qui permet de tenir tout ça avec une petite perche et le petit micro et tout. Parce que des fois, c'est super utile d'avoir un tout petit truc. Et l'Osmo Pocket, c'est pareil, il faut encore acheter des nouveaux. J'ai essayé déjà avec la GoPro, pourquoi? Parce qu'elle fait un grand angle. Et là, je vois qu'il est marqué juste black sur la boîte. Le gars me dit, je peux le ramener, j'y vais essayer. Moi, c'est une silver que j'ai, c'est pas une black. Donc vous voyez, le petit adaptateur, on branche le micro. Mystère. Alors, est-ce que vous m'entendez? Attention, est-ce que vous m'entendez? Là, je vais parler comme ça dans le micro, je l'enfonce loin comme ça pour vraiment qu'on l'entende pas. Et ensuite, je vais reparler dessus et on va voir si ça fonctionne. Hop, je coupe. Non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je suis dégoûté. Pour manger, pour retourner. Je suis dégoûté. Avant qu'on mange. Oh, c'est dommage. Ben voilà, si vous savez pas les différences entre les versions Silver et tout, en gros les bas de gamme de chez GoPro, et les, bah, c'est qu'ils vous brident sur plein de choses. Donc vaut mieux acheter les blagues directement, vous embêtez pas avec tout ça. Bon ben je ramène ça et puis ben, au moins c'est réglé, comme ça on va se faire aussi rembourser de ce que j'ai commandé sur internet. Je vais juste garder le petit micro cravate qui fonctionne sur smartphone, ça pourra toujours servir aussi quand on fera les lives. Et bah voilà, si ça peut servir à d'autres, hein, si vous avez des hésitations, prenez absolument, quand vous prenez une GoPro, prenez le modèle haut de gamme. Au moins vous savez que si en 6 mois vous avez une option à mettre dessus, vous savez que vous pourrez la mettre. Parce qu'avec les versions silver ou les versions white, je crois, enfin les versions bas de gamme comme nous, vous savez que vous allez être bridé. Par contre, voilà, ça reste une bonne petite caméra. Je m'en servirai uniquement pour filmer, pour mettre une musique par-dessus. Après les GoPro, quand on fait des vidéos YouTube et tout comme nous, on va s'en servir beaucoup aussi en voyage. C'est toujours pratique d'en avoir plusieurs. Quand on s'est fait suivre par les émissions de télé, ils en avaient pas qu'une, ils en avaient plein des GoPro. Donc c'est super pratique d'en avoir plusieurs. Donc voilà, c'est pas perdu. Ça fait des bons angles la mine derrière. C'est ouais, bah ouais, le grand angle c'est ça qui est bien. Donc bon bah au moins on le sait, c'est tout. Hein. On va dire que encore une expérience de plus qu'on va savoir, qu'on apprend. Voilà, sans vraiment. Et j'ai pas vraiment trouvé l'info sur internet, hein, c'est ça le pire. Voilà, dégoûté. Allez, on mange et on se remet en route, on va y arriver à Rennes. Je connais toute la chanson, Pierre. Ah, ça filme. Tu vois, regarde. Là, ça filme, je vais avoir un son de merde avec la GoPro. Hein? Et là, je fais. Clap. Comme ça, j'ai un repère. Clap. Et là, on peut parler. Donc en fait. Vous ne pouvez pas brancher de micro externe sur la GoPro Hero 7 Silver, si je dis pas de bêtises, c'est bien une Silver. Et là, j'ai acheté en fait un petit enregistreur vocal. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, c'est Philippe de la chaîne Voyage Voyage qui m'en avait parlé. D'ailleurs, merci à toi. Hein. Chouette type. Hein. Chouette type. Et bah, en fait, je lui ai demandé conseil, il m'a pas répondu. En même temps, ça fait juste 10 minutes que j'ai envoyé un message. Et j'ai trouvé un petit enregistreur vocal à Boulanger. J'ai branché mon Rode dessus, donc mon récepteur et mon micro, il est là. Et là, c'est en train d'enregistrer, donc lui, je le pose où je veux. Voilà. Et en fait, là, vous m'entendez avec un bon son. C'est le son qui est pris avec mon micro Rode. Tout ça sur la GoPro. Donc là, normalement, j'ai un bon son. Par contre, c'est à moi, dans mon logiciel de montage, à mettre ma vidéo sans le son et à venir caler mon son au bon moment. Et pour ça, on doit faire des claps ou je sais pas quoi là. Et ça, je sais pas faire. J'ai demandé aussi à Philippe qui me répond de savoir comment on faisait pour être bien précis. Donc j'ai essayé d'en faire un là au début de vidéo. J'ai fait clap et on verra. Je pense que le clac, en fait, il nous permet de nous synchroniser, enfin de nous aligner le son avec la vidéo parce que j'ai un repère visuel. Mais je suis pas sûr. Donc Philippe, il va me renseigner tout ça. Si ça fonctionne, si là vous avez un bon son, c'est génial. Et en fait, c'est carrément bien de faire tout avec un enregistreur vocal. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un adaptateur, vous n'êtes pas obligé d'acheter la coque qui va vous permettre de loger l'adaptateur. Et aussi,
Du coup, vous allez perdre aussi l'étanchéité de votre GoPro. Parce que si vous y branchez un truc, le petit capot il reste ouvert. Et du coup, elle est plus étanche. À moins que sur la blague ce soit spécifique, mais je pense pas. Et c'est comme ça qui est bien. C'est ça qui est bien et tout. Regardez. Même avec mon Osmo Pocket, je peux le prendre. Je me prends pas la tête. Je sais que mon enregistreur vocal, il est branché. Tiens, si tu peux me filmer, Chouchou. Voilà. Chouchou, elle va me filmer. Là, c'est pareil. Si vous voulez avoir un son de qualité avec un Osmo Pocket, déjà, il ne faut pas mettre ses doigts sur les trous. Et en plus, il faut rajouter un adaptateur pour pouvoir mettre un micro. Tu vois ce que je veux dire, Chouchou? Là, ça filme. Et donc, je peux faire exactement pareil. Je peux passer de la GoPro à l'Osmo Pocket, si je ne me trompe pas. Et là, pareil, je fais clap. Qualité avec un Osmo Pocket, déjà, il ne faut pas mettre ses doigts sur les trous. Et en plus, il faut rajouter un adaptateur pour pouvoir mettre un micro. Tu vois ce que je veux dire, Chouchou? Là, ça filme. Et donc, je peux faire exactement pareil. Je peux passer de la GoPro à l'Osmo Pocket, si je ne me trompe pas. Et là, pareil, je fais clap. Et là, voyez, je suis en train de vous parler toujours sur l'Osmo Pocket. Et j'ai qu'un seul matériel qui peut me servir pour l'Osmo Pocket, pour la GoPro. Et si c'est ça, franchement, c'est génial. Il va juste falloir que je me cale par rapport au clap, aligner bien le son et la vidéo. Et ça sera cool. Et voilà, et Charlotte est en train de s'endormir. C'est cool, hein. Ça fait vraiment plaisir. Tu t'en fiches ? Non, pas du tout. Mais peut-être que ça va intéresser des gens. Est-ce que ça vous intéresse tout ce que je vous ai dit ou est-ce que c'est nul ? Bah moi oui. Hein ? Ils vont nous le dire en commentaire les gens. Ouais. Ils vont dire c'est bien, oui, c'est bien Jérémy. Allez, c'est parti en route. Voilà. Et regardez, c'est des délires. C'est délire. Il y a une petite béquille latérale. Hop. Ou alors on a une béquille centrale. Ça, c'est déjà pas mal. Et il n'y a plus qu'à monter tout ça. Démarrer, mettre de la bonne huile, voir si ça tourne nickel. Parce que c'est le modèle injection, c'est l'Euro 4. Et ce qui paraît, ça tourne pas bien. Les injections sont pas terribles. De toute façon, ils n'en vendent plus avec des carbus. Donc on verra bien. Voilà. Et puis Clément, il va m'aider à la monter, hein? Tu vas m'aider à la monter, hein, hein? C'est un grand gamin aussi, lui, hein? Ah, ça caille! Ça caille un truc de fou! Du coup, on se repose les mains dans les poches de temps en temps. Mais ça caille, hein? Clément est en train de monter la batterie. Dis bonjour Clément au bandit. Bonjour Clément au bandit. Et si vous êtes mignon, je vous ferai une vidéo sur eux et leur future maison. Je vous en dis pas plus, hein? Ah, si vous êtes mignon. Attention, seulement si vous êtes mignon. Donc c'est une batterie gel. Donc il y a eu des améliorations depuis quelques années qui vendent la marque. Hein. Moi ce que j'ai pu observer, bah, déjà c'est que c'est une petite batterie gel, donc ça c'est bien. Hein. Avant ils avaient une petite batterie et ils avaient des petites fioles, vous savez, à renverser dedans. Donc ça je pense que maintenant c'est interdit. Donc ils mettent des petites batteries gel, donc bon bah c'est déjà bien. Les boulons, faites attention, les boulons, ça se desserre de partout. J'ai desserré plusieurs boulons, c'est vissé avec une genre de pâte, un peu comme du Loctite. C'est pas tout à fait du Loctite, mais on voit bien qu'il y a eu un produit qui a été mis, et puis quand vous desserrez, je peux vous dire que ça se desserre pas comme ça. Donc limite, il s'est peut-être serré trop fort maintenant. Donc de ce côté-là, ça va. Sinon, en finition, c'est acceptable, hein, c'est acceptable franchement, pour le prix. C'est très bien. C'est très bien, hein. Il y a encore ce grand levier de vitesse qui est chromé, qu'ils auraient pu mettre en noir. Hein. Bon, c'est pas grave. Sinon, les petits clignotants, un peu de design à LED. Le compteur, il est digital. Pour des digital nomades, ça va être trop bien. Et voilà, donc c'est un réservoir, normalement, si je dis pas de bêtises, de 5,5 litres qui va jusque là, qu'on peut charger ici. Il y a une petite boîte à outils sous la selle. Il y a une petite serrure de Neyman. Voilà. Donc on continue le montage et on essaie de démarrer et voilà. T'avais un garage. Tu me l'as pas dit. Un truc de dingue comme dans Dame et Dumber. Ouais, j'allais y dire. T'avais deux paires de gants. Et tu me l'as tu me l'as pas dit. Truc de dingue. Bon voilà, on s'est posé dans le garage. C'est cool. Attends, on pourrait presque faire un petit feu, t'as vu? C'est excellent ça. Et du coup, on va remonter ça, voilà, donc je remonte la roue, parce que par contre, voilà, le disque avant avec les petites plaquettes, c'est vraiment, c'est très léger, et faut faire ça tout doucement,
sans forcer, parce que sinon elles se délogent de leurs emplacements. Donc faut vraiment faire ça gentiment, tranquillement. Et là, je pouvais plus, j'avais les doigts, c'était des glaçons. Il y a un petit vent là, petite brise de Bretagne qui est bien froide, ça calme. Hein. Tu peux pas aller à plus de 30 km/h les 160 premiers kilomètres. Ah, c'est vrai ? Pas plus de 30 km/h les 60 premiers kilomètres ? 160. Non. Arrête tes conneries. Vitesse maximum. Ce tableau indique la vitesse maximum pratiquée lors de la période de rodage. Les premiers 160 km, moins de 30 km/h. 30 km/h ? Au-delà de 800 km, pas plus de 33 km/h. Mais arrête tes conneries. T'aurais dû garder la vogue. Ouais, grave. Arrête, et à partir de combien on peut rouler à 140 ? Après, à partir de 1600 km. Non, 37 km/h. 40. Non, arrête, c'est pas possible, c'est des miles. Ah non, c'est des km/h. Ils ont pas fait la conversion. Oh non, punaise. Donc le rodage, c'est 1600. La vitesse du moteur devant varier ne doit toujours demeurer constante. C'est bien de toutes les pièces du moteur d'être sollicité. Wow. En gros, faut que je dépasse pas les 30 km/h pendant 1600 km, quoi. Bah, t'imagines, toi ? Bah, c'est impossible. C'est impossible. S'il faut le faire déjà, on est 1600. Hein. Ah ouais, 1600 km. Non, mais ça, c'est ils prennent ça pour dire. Non, mais non, c'est pas possible. Par contre, t'es en panne, t'as besoin de ta clé. Tu dois dévisser ça. Si c'est trop serré, tu fais comment ? Mais bah, tu peux pas servir tes clés qui est dans ta. Ouais, c'est pas faux ça. Très bonne remarque Théo. Si t'as pas de clé de 8, tu peux pas avoir ta. Déjà c'est une clé de 7. C'est une clé de 7. Et bah si t'as pas de clé de 7, tu peux pas accéder à ta clé à outils. Je crois que c'est une clé de 8. Ouais c'est bon, c'est une clé. Alors tu me contredis en plus. J'ai ton père exprès. Hein. J'ai fait exprès de te contredire père. Donc si vous avez pas de clé de 8, vous pouvez pas accéder à la boîte à outils. Voilà. Ça c'est bien ça par contre. T'as entendu ? Non. Si t'as pas de clé de 8, tu peux pas accéder à ta boîte à outils. Si, c'est pas serré pour qu'on puisse avancer. Si, vas-y, serre-la. Sinon, ouais, serre-la, avec les vibrations, ça va tomber, je vais perdre mes clés à bougie, mes trucs. Imagine. Faut cacher une clé de 8 quelque part. Ouais, c'est ça en fait. Peut-être que sur la clé de contact, il y a un truc de 8. Non, bah non. Il faut peut-être appuyer sur le frein. Non, il n'y a pas de contacteur ici. Il n'y a pas un contacteur de béquille latérale ? Ah si, il y a un contacteur sur la béquille, bien vu. Voilà. Eh, ça tourne bien. T'as vu, on voit une petite LED qui s'allume avec l'injection là. Qui envoie l'essence. Hop, bleu. À mon avis, ils auraient pas sorti une injection de merde, vu le nombre qu'ils vendent. Tu vois. Que c'est pas le but non plus. Hein. Oh la vache, elle va pas faire dépasser 30 km/h. Ça va être dur. Hein. Il y a l'heure en plus. Non. Il est 12h29. Et non, c'est pas l'heure. Ah. Pourquoi ? Ah, peut-être que c'est un détecteur de lune. Un détecteur de... Non, au passé, ils ont pas fait ça, quand même. Et si je la mets, là, la lumière ? Ouais. Plein phare. Et quand tu coupes, c'est ton feu diurne. Ouais, il y a eu un faux contact. Eh ben, écoutez, moi, je trouve que ça tourne bien. Ouais. Eh bien voilà, on pensait qu'on avait un faux contact, hein, truc de dingue. On pensait qu'on avait un faux contact, et en fait c'est un détecteur de lumière, regarde. Ta lumière ? Ouais, c'est pas terrible ça, ce qui fait quand on va... Il fait noir, ça va s'allumer tout seul. Hein ? La lumière bleue sur le côté ? Ça ? Hein, que tu vois dans la... C'est l'injection. C'est l'injection. Ça veut dire que ça fonctionne. Non, la moto.
There's a little wooden swing down by the pier. The moss hangs by the pines, been hanging there for years. When I took your hand and walked down to the dock, you told me that you loved me, you weren't ever gonna stop. And that's how I know I belong where you go. Eh bien voilà, ça y est, le montage est fini. Je suis super content. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a eu peur qu'il y ait un petit faux contact. Vous avez vu, il y a un détecteur de lumière en fait pour allumer la lumière quand vous avez passé dans un tunnel ou quand il fait noir. Donc soit franchement, je sais pas si c'est un gadget, si ça va fonctionner longtemps. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Vous avez un petit compteur digital, ça vous indique première, point mort, deuxième, troisième, quatrième. Vous avez un voyant de réserve. C'est quelque chose qui coûte 1400 euros. Donc c'est un bon prix. Je rappelle que je l'ai acheté et j'ai pas fait de partenariat. Vraiment, je l'ai acheté. Le frein à disque, nickel. Avant, arrière. Les petits clignotants, ils fonctionnent bien. Voilà, pour 1400 euros, c'est pas trop mal. Ensuite, la boîte de vitesse est un petit peu dure. Mais la chaîne est vraiment trop tendue. Donc je vais la détendre et ça permettra de mieux passer le point mort aussi. Parce que le point mort, on a du mal à le trouver. Donc quand j'aurai fait ça, ça valait mieux. Puis une fois qu'on va commencer à rouler pas mal avec, les vitesses passeront mieux. Ça m'avait fait ça aussi sur l'autre SkyTeam qu'on avait avant, le T-Rex. Et les pneus, c'est pareil. On m'avait dit c'est des pneus de crotte et tout. Mais franchement, ils ont l'air d'être vraiment pas mal, les pneus. Voilà, sinon l'huile moteur et l'huile de boîte de vitesse, je vais rouler avec un petit peu et quand j'aurai peut-être fait 100-200 km, je ferai une bonne vidange, comme ça va permettre de tout nettoyer et on verra la couleur de l'huile. Pareil, je vous mettrai des petites séquences vidéo, je vous tiendrai au courant de toute façon de la fiabilité du truc. On verra si on arrive à aller au Maroc, si ça n'a nos papiers à temps, et ben on va en faire pas mal là-bas, je pense. Donc on vous tiendra au courant. Et voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le 1400 euros, vous avez un petit véhicule pliant qui consomme pas beaucoup, qui est en injection. Pareil, si l'injection tient dans le temps, ça sera génial parce que ça va moins consommer, ça pollue moins aussi. Et voilà, les commandes sont assez souples, ça roule bien, il n'y a pas un bon équilibre, il va falloir prendre le coup. C'est pas super bien équilibré. Peut-être que c'est la forme des pneus, je sais pas, c'est pareil, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Voilà, donc un petit réservoir de 5,5 litres avec une petite selle qui se lève, avec la batterie et un tout petit coffre à outils. Voilà, j'espère que je pourrai mettre aussi mon support de top case, et si j'arrive pas à le mettre, et ben tant pis, on prendra les sacs à dos. Voilà, et bien sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo qui va, je dois le dire, annoncer du lourd, voire du très lourd, je vous en dis pas plus. Voilà, soyez présents pour la prochaine vidéo parce que ça va vraiment promettre. Voilà, allez, bye bye. Stressing. Feel like my mind is congested with shit I don't wanna mention. Is this detention? Am I suspended from happiness? Am I the joke that they laughing at? I'm not a joke, why you laughing at me? I lose control and I'm super violent. My